Tombe pamoja Bwana. Seigneur Dieu, notre Père. Bwana Mungu Baba yetu. Merci encore pour cette soirée que tu nous donnes, Seigneur. Asante tena kwa mangaribu na tupa Bwana. Nous te louons, nous te glorifions, oh Dieu. Tunakushukuru na kukuabudu o Mungu. Parce que tu nous as envoyé cette parole. Kwani ulitutumia hii neno. La parole qui nous prépare. Neno yenye kututayarisha. La parole qui nous instruit. Neno yenye kunatufundisha. La parole qui nous corrige. Neno yenye kunatunyolosha. La parole qui fait que nous soyons des femmes faites et des hommes faits. Neno yenye inatufaa tukue tupate banamuke baiki na banome baiki. Propre aux bonnes œuvres. Benye kuita kufanya matendo mazuri. Les œuvres que toi Dieu tu as préparées pour les saints. Matendo ambapo Mungu ritarisha kwa watakatifu. Les œuvres d'amour. Matendo ya mapendo. Les œuvres de charité. Matendo ya mapendo. Les œuvres de
de compassion, des œuvres de bonté que tu as préparées pour les saints. C'est ça les vêtements que tu nous vêtis, Seigneur de gloire. Dieu nous a donné sa gloire. Ce sont des bonnes œuvres de saints que toi Dieu t'avais préparé avant même la création du monde. Merci au Dieu. Accenti au Mungu. Nous bénissons ton nom. Tu n'as pas rien qu'une jina lako. Nous voyons nos sœurs. Mukona batata yetu. Nos frères. Banduku yetu. Progresser dans la foi. Mukwendelea muimani. Nous disons Seigneur. Tu n'as sema bwana. Tu es à lèvres. Uko mukazi. Mutoto kanya nazari kaka. Quel est cet enfant qui naît? Ula shikome yaka. Sans grandir. Turizarika. Nous sommes nés. Oh Dieu, mon royaume yako. Oh Mungu dans ton royaume. Pas kwanza kukomea. Nous devons toujours croître. Kukomea. Croître. Kukomea. Croître. Jusqu'à arriver au niveau d'être semblable à toi. Oui, Seigneur. Dieu Bwana. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous nourrit. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous fait grandir. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Autant dont nos frères sont dans l'ivrognerie. We Mungu uritona au kumpende tukwe mwile mabuchafu yote uritutosha unatutakasa unapenda tukwe mkunji yako. Merci Seigneur pour cette grâce. Maintenant oh Dieu unatufanyisha ma promesse ya mzuri na tulaka. Je veux vous préparer de la place kama minaisha takwa kumibeba ile fois nitakuya na mwe mkwe pale. Merci pour cette promesse Seigneur. Merci, oh Dieu, pour que tu fiches coulé, tu n'as pas ou tu saïdie. Rome d'Agatifu, à quoi d'Ania Danda, à quoi d'Ania Ndoko. Quoi boule à tout à Weza. Womonia Urisema, Kamar, Sina Namweye, à Mutaweza Kinto. Mais comme tu kunaweye, tu kou plus que vainqueur, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu, que toi qui as commencé l'œuvre, c'est toi qui la parachèvera. Aufanyake mukristo wa kipande, aufanyake mwaminifu wa kipande. Seigneur, tunayua na makapasite ilungu natupatia, tutafika. Merci, oh Dieu. Bariki kanisa yetu, Seigneur. Pale tukunasikia kuma temwanyazi ya bien, kubanduku, kubadada, tukunasema, Seigneur, jina lako isifiwe. Ana shie, niwe kunatenda mumaro ya batoto yako. Merci, Seigneur. Bariki pasteur wetu kuleko, umubariki umuchunge Seigneur. Ubariki kuna mtumishi wetu, ule uretutumia juu kutufundisha sauti yako. Roho Mtakatifu akwe yulu yake juu ya kutufundisha maneno ya kutokea kwako. Juu maneno ya mtu ikunaleta lufu, maneno yako ikunaleta buzima. Merci oh Dieu. Tunayoi ingia sana. Ubebe bintu byote ame ku mwanzo jusqu'à la fin Seigneur et ça sera pour ta gloire. Merci oh Dieu. Nous te remercions pour avoir libéré l'enfant de notre sœur. Il est en prison oh Dieu. Tes saints, tes fils et filles ont prié. Toi Dieu tu as exaucé notre prière. Nous te disons pour cela merci. Maintenant Seigneur, il y a des requêtes batoto yakubana kuandikia. Mungu mzima, wewe ndio msaada yetu. Et tu as dit que tu es un secours qui ne manque pas autant de détresse. Tu n'as que tu manies, ou tu saïdies, ou tu consoles, ou tu pâties, chacun selon le désir de son cœur, pour que furaye tu ikwe yakweneana, et la gloire te reviendra. Merci, ô Dieu, que nous puissions t'adorer avec joie, et toutes choses, nous les recommandons à ton nom. Le nom qui est dessus de tout nom, par lesquels nous fléchissons nos genoux. Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, et reçois cette prière. Amen. Nous allons chanter des cantiques avec la chorale. Et après, nous allons... Donde es
Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Jésus, les mères, les hommes.
fora. Nous sommes dans la joie encore cette soirée. Pour être dans la présence de notre Dieu. Car il est là, il nous montre ce que nous devons faire. J'ai une salutation. Niko na salamu moya. De notre frère Josué Kazumba a salué l'église au nom de Jésus Christ. Ya ndugu yetu Josué Kazumba alilamkia kanisa mu jina la Yesu Kristo. Sans toutefois tarder, nous allons nous lever. Bila kukawia tutasimama bwima. Toujours dans 2 Jean. Paka mu Yohane wa pili 7 jusqu'à 11. Sura ya 7 paka 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Mana watongozi wengi wanaingia dunia. Ils ne confessent point que Christ est venu en chair. Bala bakiri ya kwamba Christ alikuwa mwili. Celui qui est tel, c'est le séducteur et antichrist. Ulashikira kwamba Christ alikuwa mwili, yeye ndio mtongozi na mpinga Kristo. Prenez garde à vous-même. Sopokeni kwa nini wenyewe. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Tumshipoteshe tunda ya kazi yenu. Mais que vous recevrez une pleine récompense. Lakini mpokee zawabu ya kweneana. Vous asseoir. Munaweza kuikala. Quiconque va plus loin. Yoyote anenda mbali. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Na ashidumu mafundisho ya Kristo. N'a point Dieu. Ana na Mungu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ule anadumu mwi mafundisho iko na baba na iko na mwana. Si quelqu'un vient à vous. Kama mtu mwana kuya kwenu. Et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Na ashilete I mafundisho msingi mshimpokee kamwe. Dans vos maisons. Ndani ya manyumba yenu. Et ne lui dites pas salut. Wala mshimsalimie. Je l'aime, je m'aime, car il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur les bois. Namo penda enda mo penda Yesu anini penda wame kwanza. Salaba Calvary. Vous pouvez prier. Taomba. Seigneur notre Dieu. Wana mungu wetu.
Nous allons lire une portion de l'Écriture, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende pour nous donner le contexte. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis ton serviteur. Ouais-le de ton huile à toi. Et donne un entendement spirituel à tout l'auditoire, Seigneur. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons encore dans 1 Timothée 6, 3 jusqu'à 5. Timothée 6, 3 jusqu'à 5. Timothée wa kwanza 6, 3 hadi 5. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, kama mtu anafundisha mafundisho msingi ya bongo, et ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ, na ashilamate mafundisho maneno yenye kwa safi ya Bwana wetu Yesu Kristo, et à la doctrine qui est selon la piété. Na eko na mafundisho msingi yenye kufuatana na utawa. Il est enflé d'orgueil. Ni mwenye kujaa kiburi. Il ne sait rien. Na asijue kitu. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Eko na magonjwa ya maulizo ya ovyo na mabishano ya masemi. D'où naissent l'envie, les querelles et les calomnies. Tama makokotano na kuzingiziana na mawazo ya mubaya kuwaziana. Et les mauvais soupçons. Na kuwaziana kubaya inatokea kwa wapi? Amen. Amen. C'est toujours dans le même sujet. Ni paka mutungo moya moya. Les fausses doctrines et leurs origines. Mafundisho ya msingi ya bongo na kule inatokeaka. Hier nous avions parlé. Jana tuliweza kusema. Nous avions dit que. Tulisema ya kwamba. La doctrine. Mafundisho ya msingi. Ce sont des enseignements. Ni mafundisho. D'une église. Ya kanisa. C'est une colonne vertébrale d'une église. Jo mufupa mkongo wa kanisa. Il n'y a pas une église qui n'a pas de doctrine. Hakuna kanisa ile ambayo ina mafundisho ya msingi. Amen. Amen. Une église qui n'a pas une doctrine. Kanisa shoko na mafundisho ya msingi. C'est comme un groupe de prière. Iko sa vile nkunja abantu bakuomba. Les gens dans des différentes églises ils entrent pour prier. Bantu makanisa kwa chana chama kusanyika jo kuomba. Notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Lorsqu'il était dans ce monde. Wakati alikuwa kwa hii dunia. Les principaux sacrificateurs. Makuhani wakubwa. Et les scribes. Na waandishi. Ils ne le comprenaient pas. Hawakuwa wanamuelewa. Puisque lui était la vérité. Maana yeye alikuwa kweli. Lui était le créateur. Yeye ndiye alikuwa muumbaji. Il n'y a que les élus qui peuvent comprendre ce que Dieu fait. Paka bateule wanaweza kuelewa bile Mungu anafanya. Et l'apôtre Paul. Paulo, dans 1 Corinthiens 5, 7 jusqu'à 8. Mwa Korinto wa kwanza 5, 5 paka 8. Il dit. Anasema. Christ notre Pâque immolé. Christo pasaka yetu ilichinjwa. Le levain. Chachu. Le levain dont il parle. Chachu ambayo inasemezea. Représente les fausses doctrines. Iko naonekanisha mafundisho ya bongo. Le levain dont il parle. Chachu ambayo inasemezea. Représente le péché. Ni mfano wa dhambi. Apôtre Paul, c'est lui qui avait posé le fondement. Mtume Paulo yenjo aliweka msingi. Il a attaqué les fausses doctrines. Alishambulia mafundisho ya bongo. Même notre frère Branham, yetu Branham avec l'esprit d'Élie, na roho ya Elia, il ne pouvait pas supporter aussi ça. Akuweza na vile vile kuvumilia mafundisho ya bongo. Même notre frère Frank, yetu Frank, il parle durement contre ces choses. Eko nasema kwa nguvu kupingana na ile mafundisho. Parce que Chou. L'église kanisa. Qui ira dans l'enlèvement. C'est l'église qui est sainte et irrépréhensible. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza 5:7. Faites disparaître le vieux levain.
Mutoshe chachu ya zamani. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Jumukwe bunga kwa sasa. Puisque vous êtes sans levain. Mana mwiko bila chachu. Car Christ notre Pâque a été immolé. Mana Christo pasaka yetu alichinjwa. Célébrons donc la fête non avec le vieux levain. Tushangile kumbi karamu apana na chachu ya zamani. Non avec un levain de malice. Apana na chachu ya ujanja. Et de méchanceté. Na ya ukaidi. Mais avec le pain sans levain. De la pureté et de la vérité. C'est pourquoi nous attaquons les fausses doctrines. Même vous, si vous êtes dans vos quartiers, prenez garde. S'il y a quelque chose que vous n'écoutez pas de la parole de Dieu, Dieu a établi. Il y a des anciens dans cette église. Il y a des prédicateurs dans cette église. Vous devez les voir. Vous ne pouvez pas prendre votre oreille pour les confier à n'importe qui. Sinon, vous allez partir. Le sang sera sur toi. Puisque partout où nous allons, nous sommes entourés de plusieurs fausses doctrines. L'élevain des pharisiens, l'élevain des séducéens, c'est nous qui avons la vérité. J'ai fier avec cette voie que nous empruntons. Qu'on ne vous trompe jamais. Bientôt là, c'est l'enlèvement de l'église. Nous irons chez nous. Tutenda kwetu. Dieu ne trompe jamais. Même si nous avions souffert sur cette terre. Même si nous manquons toutes choses de ce monde. Il a dit. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Frère Branham n'a pas supporté les fausses doctrines chez les baptistes. C'est là où il était. On lui dit, il faut ordonner à une femme. Quand est-ce qu'une femme peut devenir prédicatrice? Le péché est entré par la femme. Dieu ne peut pas permettre une femme d'enseigner. Mais vous, nos sœurs, Dieu vous honore. Dieu a mis les femmes dans leur juste place. Dans la Bible ici, nous avons les ânes. Ils n'ont pas prêché la parole de Dieu. Nous avons des Sephora. Nous avons de tout ceci. Vous devez les ressembler. Dieu vous a donné votre juste place. Nous ne sommes pas les dénominations pour faire n'importe quoi. Non. Nous avons la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit à gauche, nous sommes à gauche. Si la parole de Dieu dit nous sommes à droite, nous sommes à droite. Si la parole de Dieu dit que passez par ici, même s'il n'y a pas une route ici, avec la foi, moi-même j'irai là-bas. Et la voie va s'ouvrir. Amen. C'est comme ça avec notre Dieu. Oui. Moussa a fait traverser les enfants d'Israël. Il a fait d'abord l'expérience avec Dieu. Prenez le bâton. Jette. Et ça devient le serpent. Allez, il tenait encore. Il dit maintenant allez. Un véritable prédicateur. Il fera aussi l'expérience avec son Dieu. Amen. Amen. Il a fait traverser les enfants d'Israël. La mer rouge. Bari nyekundu. Balabala inafunguka. Les chemins s'étaient ouverts. Banatambuka à pied sec. Ils avaient traversé. Amen. Amen. Abakulukula tama konjo. Ils n'étaient même pas tombés malades. Mangua ikubamba tabu chafu. Les habits n'étaient même pas salis. Puisque ils étaient avec Dieu. Mana bari kwa kana Mungu.
Je disais hier. L'homme ujumbe njo mutangulizi. Ce n'est pas frère Branham qui a fait le message. Il y a beaucoup de divisions. Dan, ujumbe muko mkatana. Il y a même des gens qui nous disent. Kukwatama tu na tuambia. Si votre message. Ujumbe yenu. Il y a la vérité. Muko ukweli. Pourquoi il y a les divisions? Tu anini ukatana kwa kwa. Mais dans la Bible ici. Lakini na Biblia. Les Juifs aussi. Bayuda pia. Il y avait des divisions. Kulikwama kamulana. Amen. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Comment il priait au nom de Jésus-Christ. Jusqu'en 1965. Il n'a pas prié au nom de dans son nom lui-même. Ça veut dire qu'il n'était pas Dieu. Sur cette terre, tous les prophètes disaient toujours, ainsi dit le Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul qui pouvait dire en vérité, je vous dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham n'a jamais dit en vérité, en vérité. Branham a sema kaka mwe kweli kweli. Un père avec des enfants. Baba na batoto. Le Melchisedek. Melchisedek. Nous y arriverons. Tout nous ne sommes pas encore là. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean 1, Jean 10, verset 19 jusqu'à 20. Tout à soma katika Yohane 10. C'est pour vous montrer que les divisions, il y en a. Ni kumiambia sema kobulana ikwako. D'ailleurs, l'église. Vous voyez, il y a le pyramide. Munaona kuko kipimo. Qui est en train de tailler. Mungu yuko naweka. Ni unachonga. Un petit nombre qui sera enlevé. Et on parle de 1 sur 1 million. C'est Dieu qui est en train d'étamiser. Nous ne pouvons pas rester avec les 20 parmi nous. Amen. Amen. C'est comme ça, nous lisons. Les divisions. Il y en avait même là-bas. Il y en avait. Jean 10, 19 jusqu'à 20. Yohane 10, 19 paka 22. Il y de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? C'est pourquoi, même là-bas, à la rivière Oyo, c'était un message précurseur. Ce n'était pas Branham. Les véritables enfants de Dieu saisissent seulement la parole de Dieu. Saisissent seulement sur ce qui est dû. Et vous allez voir, même les miracles vous accompagneront. Chez certaines dénominations, je peux donner l'exemple des témoins de Jéhovah. Ils ne croient que. Ils ne croient pas au miracle. Ils disent que le temps des miracles s'est déjà passé. Avec des gens comme ça, la Bible dit comment? En Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il guérissait hier, et aujourd'hui il est en train de guérir. Tout ce qui se faisait hier, il est le même Dieu. Il ne peut pas changer. Il est parmi son peuple. Ils disent qu'il n'y a pas de miracle. Lisons dans Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais les témoins de Jéhovah ne croient pas. Ce sont des fausses doctrines. Il y en a des gens. Moi, je peux les dire que ce sont des lecteurs de la Bible. Mais ils lisent pour ne pas comprendre. Tairez vos yeux. Puisque vous voyez. Tairez vos oreilles. Puisque vous entendez la parole du royaume. Ils ne peuvent pas croire à cela. Les témoins de Jéhovah. Ils ne peuvent même pas imposer les mains sur les malades. Avec des gens comme ça. Vous vous discutez. C'est votre problème. La Bible interdit les vaines discussions. Si quelqu'un n'a pas compris, pourquoi vous devez vous quereller? Pourquoi vous devez vous tirailler? Tu sais, c'est toi qui haïs cette révélation. Lui, il n'a pas encore eu. Vous devez lui laisser. Amen. Amen. C'est comme ça avec les choses. Ils ne peuvent pas prier aux malades. Or ici, il est dit qu'ils imposeront aux malades. Et les malades seront guéris. Vous voyez, ce sont des fausses doctrines. Nous devons les attaquer. On ne peut pas les laisser. La véritable église du Seigneur Jésus-Christ est édifiée sur les enseignements des apôtres et les prophètes au pluriel. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'église du Seigneur Jésus-Christ a édifiée par Maubiri. Pas un prophète ou une prédication d'un seul prophète non plus. Aujourd'hui, nous voyons. Dans le message. Les gens peuvent y entrer ici. Ils n'ont pas la Bible. C'est tout un tas toujours de brochures. Ils parlent de ce que Branham a dit, ils sortent. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ est battue sur les enseignements des prophètes. Au pluriel, je peux dire que Matthieu a dit, je peux dire que Paul a dit, je peux dire que Branham a dit aujourd'hui. C'est comme ça avec l'église du Seigneur. Amen. Amen. Nous nous sommes dans la vérité. J'ai toujours marché. J'ai dit que nous sommes dans la meilleure voie du ciel. Nous connaissons ce que Dieu est en train de faire présentement. Il faut que les gens prennent part à ce que Dieu fait maintenant. Amen. Amen. Je suis tellement fier pour cela. Ne regardez pas ce qui brille. Vous allez dans l'église catholique, vous voyez. On amène une communion grosse comme ça. Padre, Amen. Amen. Hapa kuna bujanja hata. Ici y a pas la malice. Hapa tuwezi kusifu mtu hata. On ne peut pas glorifier un homme. Hapa. On ne parlera que du Seigneur Jésus. Tout a semencé hapa kwa Bwana Yesu. Yeye alikufa kwa msalaba. C'est Jésus qui est mort à la croix. Ana mtu alikufa kwa msalaba. C'est un homme qui est mort à la croix. Ni mtu gani yule alibaki aka bundi. Ah, quel est cet homme qui est resté nu pour nous sauver? Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est que les catholiques vous disent qu'il avait un habit. Notre Seigneur Jésus-Christ était nu. C'est pourquoi le soleil a refusé d'éclairer. Il dit, je ne veux pas qu'on voit mon créateur nu.
Et on l'a fait descendre. Quand il était mort à la croix, ils sont partis avec lui pour l'enterrer. Les soldats disent, on enterre les gens. Mais ça c'est quel genre d'homme que vous m'avez amené? C'est lui-même qui m'a créé. Ça ne peut pas se faire. La terre a frissonné, a tremblé. Cette parole, ineno. Prenez cette parole dans vos mains. Mon bébé, ineno, avec considération. Na yote. Ne minimisez pas. Mushi, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Le diable est un menteur. Diabolo, ni muongo. Partout. Fashiote. Où il y a toujours des fausses doctrines. Kukopo, mufrisha, musiki, Ibu, yanja, bo, ake. C'est ça, sa malignité. N'a pas commencé ici. Cette malignité a commencé au jardin d'Eden. La guerre a commencé. Apana makani singini beko na se mina kuonea vita. Ah, c'est pas dans d'autres églises là on nous dit. Nikufashia kazi. Nikufashia kazi. Que je travaille pour vita toi. Vita ikuanza hapa hapana. La guerre des combats n'a pas commencé, ça a commencé là-bas. Amen. Amen. Des fausses doctrines. Ma funisha bongo. Le diable c'était menteur. Diabolo ni muongo. Le père du mensonge. Baba wa uongo. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Hawezi kusimamia kwa ukweli. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Le diable ne peut pas interpréter la parole de Dieu mot à mot. Shetani hawezi kutafsiri neno la Mungu. Kamusemi kamoya kwa kamoya. Nous allons lire. Tutasoma. Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo ni mwenye kufunuliwa muneno lake yeye mwenyewe. Prêché en 1965, le 22 août. Le 22 août 1965. Il y a tant de confusion aujourd'hui. Ukomivurugo ya mingi leo. Paragraphe 27. Ukurasa wa 17. Au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Pa mambo yanayangalia mambo ya Roho Mtakatifu. Et ainsi de suite. Na binginevyo. Satan peut imiter n'importe lequel des dons. Shetani anaweza kufatirisha izuru zawadi kani yoyote. Que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Ile biote mazawadi mwe konea lakini hawezi kuleta ineno kama. C'est là qu'il a toujours échoué. Jo pale na shindiaka pale. Dans le jardin d'Eden. Dans la bustani ya Edeni. Amen. Amen. Il ne peut pas apporter la parole mot à mot. Hawezi kubiri neno kamoya paka kamoya. Anaklikaka paka kitu kingine. Il a toujours introduit quelques de mensonges. Ukonde mumakanisa bantu beko na adorer Satan. Vous allez voir dans les gens qui adorent sans Satan. Sans toutefois le savoir. Bila kujua. Banende mumakanisa mule. Ils vont dans ces églises là. Jusqu'à 14h. Il lui prépare même la bouffe, commence à manger là même. N'ayant pas la parole de la vérité. Mais vous ce soir. Vous êtes le fils du royaume. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Frank dit. Il parle ici les fausses doctrines. Il dit ceci. Ceux qui ne respectent pas, vous chouquez pour les chini, page 9. Un peu en bas, à la page 9. Ce lettre circulaire, avril 2018. Édition des jubilés. Ni barua kuzunguka 2009 édition 2018 édition du jubilé. Là en bas, en descendant un peu en bas. Ceux qui ne respectent pas et ne croient pas la parole de Dieu comme la vérité, la seule vérité valide. Pour eux-mêmes et pour l'Église. Sont condamnés à croire des mensonges religieux. Amen. Amen. Vous êtes ici. Écoutez, il continue. Ce qui s'est passé dans l'ère post-apostolique.
est incompréhensible. Des hommes qui étaient honorés en tant que pères des églises ont présenté leur doctrine influencée par le paganisme. Amen. Amen. Et ont trouvé des disciples. Les soi-disant pères de l'église étaient des personnalités chrétiennes. Amen. Amen. Beaucoup Bamingi sont dans des cachots religieux. Beko mabifungwe kidini. Banabebe Bible banende. Il prend la Bible et part. Mais il ne peut pas comprendre en le lisant. J'étais avec un neveu. Il était dans l'église néo-apostolique. Il me dit, ananyambia, mon oncle, Muyomba, toutes ces choses ici, vous parlez, il a tiré où? Il était encore dans l'église néo-apostolique. Parlez toujours à quelqu'un la parole de Dieu, n'ajoute pas quelque chose. S'il est prédestiné, il viendra. Amen. Amen. Il me dit, oncle, tu as tiré tout ça où? Mais toutes ces choses ici, tu les tires où? J'ai dit, viens aussi écouter. Il y a quelque part là où j'ai toujours aussi écouté. Il a cru à ce message. Il est devenu aussi prédicateur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous ne sommes des chrétiens sauvés par la grâce. Lisez Acte 15:11. Nous sommes sauvés par la grâce, par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des branamistes. Ici, les gens disent que nous ne sommes des Branham. Branham, c'est nous qui lui mettons à sa juste place. Branham, il est le prophète de l'âge. Amen. Amen. Frère Branham disait, c'est l'absolu, mon absolu à moi, Branham. C'est la Bible. Il peut prendre la Bible et commencer à faire ça. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui nous disent, c'est Branham mon absolu. Branham doit devenir votre absolu. Branham a quoi tegemeo yako je? Atapa la rikwaye kuna sumburiye na mede mon cuisine. Mais pendant qu'il parlait avec me dans la cuisine, ça va aider à l'épouse à quoi? Si c'est Branham qui est votre absolu, même quand il sortait de la chasse, na madame ou kuishakumu bamba bamba, avec le sang taché sur le corps, ça va nous aider nous à quoi? Branham dit, Branham anasema, tout ce que j'ai dit, yote bila anasema, si cela n'est pas la parole de kama Dieu, bila bila neno la Mungu, mettez à côté. Bieke pembeni. C'est du côté, donc on imagine. C'est la folie. Amen. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu. Ici, c'est la parole sur parole. Précepte sur précepte. Amen. Amen. Et nous enseignons pas nous-mêmes. Nous ne venons pas prêcher votre frère Franck à part. Même le frère Franck non plus. Ta frère Branham à part. Même le frère Branham nous prêchons Christ. Christ. Lisons dans 2 Corinthiens. Nous sommes à Corinto à Pili. 4 versets 5. De Corinthiens 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Moi je suis serviteur à cause de Jésus. Même mon frère ici, c'est à cause de Jésus. Nous ne nous connaissons pas dans la chair. Atujua ne mumwili. Aba. Ici. Akuna. Asema wo. Aba ni baba. Aba ni aba. Non. Christ dit, je ne connais personne dans la chair. Christ ne sait tout. Il est mort. Amen. Amen.
Mes bien-aimés, vraiment, vous êtes dans la vérité. Soyez dans la joie. Manifestez un peu la main. Vous êtes dans la joie. Puisque c'est vous qui êtes dans la vérité. La vérité. Beaucoup n'en ont pas. En gagnant beaucoup des églises. Regarde ma calice à mingi. Iku ya mingi sana. Tout en se guitare à pomme. Beaucoup d'églises nous cherchons les cités. Vous allez voir. Mais comme bien bongo. Mais ça, c'est dans le faux. Mouchangariez ma miracle. Ne voyez pas, ne regardez pas. Mouchangariez ma ibi na ibi. Ne regarde pas, c'est ça. A tout coup, y'a yoko te foutre, vous t'aider, vous t'aider. Nous ne venons pas chercher les richesses de ce monde. Mungu anezi kukupa makuta, ça va. Dieu peut te donner l'argent, c'est bien. Oui, kadada yetu mzuri. Abi, notre soeur, convenant vraiment. Kulia na batoto yako mzuri. Mange avec tes enfants. Tumikie nayo Mungu. Et serre Dieu avec ça. Amen. Amen. Mais aina makuta bantu baniweka kumbele. Mais la, les gens placent l'argent au devant. Les gens. Bantu benye kubaumba na bulongo. Les gens qui sont créés par la terre. Banapenda paka bintu ya bulongo. Ils prennent les choses de la terre. Beko na bitetemekeye tu hivi. Ils tremblent devant ces choses. Siku moyo lufu lutakubamba. Un jour la mort t'atteindra. Pale utatoka muhimu hivi. Quand tu quitteras ce corps. Ndio utaona ke kumbi Mungu alikuwa yuko nasema jambo. C'est là que tu verras que Dieu avait raison dans ce qu'il disait. Bengine beko na lofa kanisa Dieu en France. Les autres s'absentent à cause de l'argent. Paul anasema. Et Dieu dit. Si vous avez la nourriture. Kama Mungu na chakula. Et les vêtements. Na mavazi. Sela msufi. Ile na mienelea. Ni nani mwenyewe anapataka makuto kwa effort yake? Ah, qui trouve l'argent par ses efforts? Kama tu Mungu ashikupati. Si Dieu ne t'en donne pas. Venez toujours à Christ. Kuya tu kwa Kristo. Venez à moi. Kuyeni kwangu. Mungu tukiet charge. Mwe bote mwenye kulemewa. Je vous donnerai le repos de vos âmes. Tamipata mpumzia manafsi yenu. Amen. Amen. Les gens de dénomination. Bantu mazebu. Banafanya bintu. Abina mu Bible. Ils font des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Biko bia mingi. Il y en a beaucoup. Tanzo enumere bingine tukuna enumere. Pouvons énumérer les unes et les autres ici. Amen. Amen. Ukunona beko nenda mu kanisa. Vous les voyez allant à l'église. Banaweka kitunga ya sadaka pa. Ils mettent les paniers d'offrande là-bas. Banaweka kingine pa. Ils mettent un autre là-bas. Iki ni kiaba papa. Ça c'est pour le papa. Iki ni kiaba mama. Ça c'est pour les mamans. Kamba papa banaleta makuta iku ya mingi. Si le papa banasema ke ba mama. Ils vont dire, les papas vous ont dépassé, vous les mamans. Mais qu'on a mis ma makuta. On vous vole l'argent. Vous êtes pillés. Bekonami ba nyanya. Bekonami fula biote. Tusoma. Lisons. Esaïe 42 22 jusqu'à 23. Isaïe 42 22 hadi 23. Vous êtes ici, lisons. Mukwa pa tusomeni. Et c'est un peuple pillé. Ni taifa yenye kunyanganywa. Et dépouillé. Na yenye kuvuliwa biote. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Bali bafungia bote ndani mashimo. Plongés dans des cachots. Penye kuweka ndani vifungo. Si mina niambia kebeko dans des cachots religieux. Ah, ils sont dans des cachots ya kidini. Ils ont été mis au pillage. Bali banyanganya mali yote. Et personne qui les délivre. Na hakuna hata mtu anaweza kukomboa. Dépouillé, personne qui dise restitue. Bana banyanganya biote na hakuna atasema barudishie. Bo benyeo biko napeleka. Eh meme itona. Biko napeleka. Ils offrent. Joba archi. Mena les archi, les archibishops là-bas en train de marcher ventre bedonna. Na bébé na sa kuku ba frère, yako na bébé. Hapa mimi ningia hapa kuku frère ni bébé sa gauche. Ah, ici un frère qui peut me transporter le sac. Honneur kani. Hein? Ni heshima kani. Minezi kwa na masaka ya mingi ningingani. Unezi kwa kunisaidia kule. Mimi nakuingia mkanisa kukuulwe kuna kubebe. Je peux avoir beaucoup de sacs en venant mais même en entrant est-ce qu'il y a il doit y avoir seulement quelqu'un qui prend pour toi? Bana ba depuyer bien vous biote, si tu la somme. On leur a depuyer tout ce qui leur appartient. Puisque ici c'est la Bible. Ah pas ni Biblia. Nous remettons toutes choses ici. Tu kuna rusha biote ni ku Biblia. O lurime tumim. U irime na tumim. La lumière est la vérité. Nuru na kweli. Amen. Amen. Les prédicateurs dans les dénominations. Bah, ubiri ndana mazebu. Ils ne peuvent pas attaquer le péché. Aba wezu komanisha zambi. Mais les gens, vous voyez. Lakini bantu kama les femmes viennent à l'église. Bana wana kwa kanisa. Bana wezu kudifarde. Bana wana kudifarde. Burembo. Kwa mwanamke. La beauté de la femme. Ce sont les signes du temps. Ni maalama nyakati. Hakuna mwanamke mubaya leo. Iya pa ine femme moche aujourd'hui. Wote beko bazuri. Toutes sont belles. En se fardant, les rouges à lèvres.
Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça, ça veut dire la semaine ni. Tout somme la moyenne Romains 1 verset 26. Lisons avec vous dans Romains 1 Moussa Kumbili. Joku di penta. Là, il se farde, elle se farde. C'est maquille. C'est pourquoi 26 à 27. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel. À celui qui est contre nature. Mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. Même si tu es trapu, tu es toujours belle. Un homme lancé, il prendra ce qui est au-dessus. Celui qui est trapu, en un instant, il prendra ce qui est là-bas. C'est ce que vous faites. Même si tu es handicapé, c'est le corps de la terre qui est handicapé. Tu vas y sortir. Amen. Amen. N'ayez pas de soucis. Écoutez ce qu'il dit, verset. Et de même les hommes. Abandonne l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir. Les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Mon frère, Beko Moumakanissa. Ils sont dans des églises. Leur femme vient. Vous connaissez le sort de Jézabel dans la Bible. On a joué l'histoire de Jézabel à Biblia. On l'avait mangé par les chiens. Amen. Amen. Lisez cela. Oui, sommeil, il est. Dans 2 Rois 9, verset 36. On montre que Jézabel, qui était la femme d'Akab, était une mauvaise femme. Elle quoi, Bibi Moubaya? Elle quoi, Akab, elle quoi, Nikiluma? Qui est féminin. Akab était un féminin qui le met en cage. Donc, vous avez ma chambre et un abot hier, quoi, mon femme. Ah, pour prendre les chambres, il commençait à pleurnicher. Amen. Amen. Jézabel était une mauvaise femme. Jézabel, elle quoi, moi, n'amou que Moubaya. Jézabel est mort. Jézabel, elle coufoua. Mais l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, est sur les gens. Les coyous là-bas, dans des églises. Dans la Makanissa. Non! Apana. Pas ici dans l'église de Apana, Christ. Apa, mkanisa, su Christ. Apa, kuna mutu wa kudipenta, ici, il y a aucune femme qui doit se maquiller. Amen. Amen. Les femmes qui vous portent les pantalons. Vous les voyez en train de marcher tout en dandinant comme ça. Les pantalons. Pantalon, mais c'est Satan qui pervertit toujours. Ça devient pour les dames. Est-ce que est-ce que la femme est semblable à l'homme? Est-ce que l'homme là-bas, c'est là? Est-ce que l'homme? Il y a toujours une différence. Même la façon de porter les habits. En train la vie, mais un jour, lorsque j'étais parti aux États-Unis, c'est un exemple que je donne seulement. Je ne m'invente pas. Je suis entré là-bas. Tout rien de conférence, moi, il y a pas dénominationnel. Nous sommes allés à une conférence dénominationnelle. Mais mon objectif à moi, qui faisait qu'un gumier, était d'aller visiter à Jeffersonville et partout là. Il est quoi ni Katembe, que Jeffersonville, na Kole Kote ni Kangari. Une fois arrivé dans leur conférence là-bas. Parlez-moi de cette conférence, c'est à Bobule. Puisque Barini Saidi a tout évidé, ni pas habillé, ni rien de cool. Parce qu'il m'avait aidé pour que je trouve les billets afin d'y entrer. J'ai vu les femmes entrer dans des pantalons comme ça. Ah, mais on a même commencé à m'apprendre. Entrer dans ces dandinés. Parce qu'on a filmé, filmé. Là où j'étais tellement affaibli. J'avais fait mine, je suis sorti. Un enfant de Dieu. Véritable. Il ne peut pas supporter des choses pareilles. Amen. Amen. Tu ne peux pas supporter. Une femme qui passe devant. Elle commence à prêcher la parole de Dieu. Vous avez la Bible, mais vous ne connaissez pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible. Il
Un jour, j'ai causé avec un prêtre de l'église néo-apostolique. Il me dit qu'il y a un autre frère qui est mort, on peut aller l'enterrer. La Bible a dit que nous devons pratiquer le bien même à tout le monde. À tout le monde, il ne faut pas enterrer seulement nos frères dans la foi, même ceux de Chantel. C'est alors que nous sommes partis. Au cimetière. Arrivé là au cimetière. C'est alors qu'ils avaient pris cette Bible. Prêtre, kunasema. Les prêtres étaient en train de le jour du Seigneur. Ah, les jours de la mort, Dieu s'y bouana. Là, j'étais tellement mouillé là où j'étais. Un enfant de Dieu. C'est toujours la Bible. Or, le jour du Seigneur. Le jour ardent. Amen. Vous comprenez vous-même. Sans que je les explique. Mais ils disent que le jour du Seigneur. Est-ce qu'ils comprennent les Écritures? Ils ne comprennent rien. Ils prennent n'importe quel verset pour placer dans une autre place. Ils s'en veulent pas porter un bon son. Amen. Des choses comme ça. Et quand il porte les noirs et blancs, si vous portez les noirs et blancs, cela ne signifie pas d'abord dans Apocalypse 19:8, les fins là, il est quittant, qui a été promis à l'épouse, c'est les œuvres justes des saints. Est-ce qu'on t'a dit que ce sont les vêtements? On a Simon qui mange en verre blanc, comme à tout. Simon qui mange en verre blanc, tous en train de marcher, de défiler. Quand le gouverneur vient, ils sont dans la politique, ils sont en tout. Dans la confusion. Mufujo. Amen. Vous êtes bien heureux. Ici, c'est toujours la parole. Hein? Les filles qui vous portent les mini-jipes comme ça. Et les cuisses. La femme a été créée pour un homme. Tu exhibes tes cuisses à tout jugement, si on te dit que tu as commis adultère avec tout ce monde, que feras-tu? Hors du temps de Jésus. Jésus n'était pas venu abolir la loi. C'était pour les rendre pire. Il dit que c'est lui qui regarde une femme. Il a déjà commis péché. Il a amplifié la loi. Mais toi, tu montres même tes parties. Amen. Ce n'est pas comme ça. Toi, tu dois te garder. Nos filles, vous devez les garder. Gardez la virginité sacrée. Amen. Les fausses doctrines. Ma foolish musingi abongo. Elles sont vraiment nombreuses. Tout autour. Quand il y a les églises de réveil. Kukoma kanisa ola musho. L'église de réveil. Kanisa ola musho. Prophétie n'est pas yabuloji. La prophétie seulement la sorcellerie. La prophétie. Unabi. C'est pour édifier. Nijua kuchenga. Et exhorter. Najua kankamisha. Bana kuambia se mama kwe kuna buloji. On te dit que ta mère sorcellerie. Bana kueka chuki ndani yako. On a mis la haine en toi. La parole de Dieu dit. Neno Mungu nasema. Aimez vos ennemis. Endeni badui benu. On te crée la haine, ta mère qui t'a engendré, enfantée, elle devient sorcière. Non. Apana. Non, on ne croit pas des choses comme ça. Unachukia mama yako. Tu hais ta maman. Mwenye aliteswa pa kukuzala. Celle qui a souffert en enfantant. Celle qui a souffert en enfantant. Elle pouvait même te tuer quand tu étais bébé. Les gens sont dans des églises mortes. Église de réveil. Ma kanisa ola musho. Paka tutowe. Il faut offrir. Et il tremble à des choses comme cela. Ces choses du monde. Même si tu meurs aujourd'hui, mon frère. Pour cercueil. Dans le cercueil. Est-ce qu'on y place, on y met les dollars? Ça reste, n'est-ce pas? Ça reste. C'est pourquoi, comme Mungu anakupa. C'est pourquoi si Dieu. Jouis de cette chose. Et nous, les frères, nous mangeons. Et
Et je viens chez les frères, je ne mange pas. Ah non, kunabi choyo hivi. C'est pas tu es un homme, tu es égoïste avec ça. Kufwa. Tu y mourras. On commence à faire sur notre. Donne la clé. Donne vite la clé du magasin. Amen. Amen. Nous sommes les enfants des royaux. Si tu couvres toi, t'es folle, mec. Miriwana mon église ingine. J'ai vu dans une autre église. Des choses impossibles. Bien tu bien habillé cané. Il est ni macanisa ni ba moi milombo. Bota ba nakeuka ba nakoba tumishi ba mon. Ça, ce sont les églises, ce sont tous des devins ou soit c'est pas des prophétesses. Tous ont changé, sont devenus. Non, macanisa ingine. Je suis dans une autre église. Il est canisa. Cette église. Ba naweka mambafu ya mai. On a placé les bassins d'eau devant. Ba namuke beko na kuya beko na kuya bundi. Les femmes en train de venir nues. Et commencent à s'asseoir et s'asseoir dans cette eau et commencent, on les lave. Et notre serviteur donne les sous. Nous sommes déjà à la fin. Des choses honteuses. Jésus Christ vient. Jésus Christ on a couillé. Il n'y a plus de temps. Les choses qui se font des mauvaises choses. Il faut haïr le monde. Et tous les péchés. Nous allons lire un peu. Ta somme en belle. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Dieu a mbayo Mungu alipasula. Prêché en 1953. Dieu le Mungu alitayarisha yenye kubiriwa 1953. Écoutez, Frère Branham dit, les gens des églises ils sont déjà morts, spirituellement morts. Ni bantu wenye kufa zamani mukiro. Acha kufa. Ils sont déjà morts. Il dit ceci. Anasema hivi. Moïse suivit la voie à laquelle Dieu a pourvu. Musa alifuata njia ambayo Mungu alipasulaka. Quand il était là en Égypte, pale alikuweka mule mu Misri. Comment allait-il sortir? Dieu continuait à endurcir le cœur de Pharaon. Mais il a dit, eh bien, tena, je vais frayer une ici. Mita pasula pa kutokea. En effet, kwa kweli, je vais envoyer la mort sur tout le pays. Mita leta lufu yule nchi yote. Dites donc, toka basi. Écoutez, nashikia. Voici quelque chose de frappant. Angaria kitu kimoja nguvu sana. Observez fléau après fléau. Angaria pigo kisha pigo. Après fléau. Kisha pigo ingine. Mais le dernier fléau qui était tombé fit la mort. Na pigo ya mwisho ilianguka kwa lufu. Juste avant la délivrance. Bele tu ya mafungulifu. Remarquez. Angarieni. Combien c'est frappant aujourd'hui. Jésus a dit qu'il y aurait viendrait des temps périlleux. Ah yes, bali sabwa kusema takoma wakati moya lufu ya nguvu. Le cœur des hommes défaillirait. Il ambayo bantu batangukaka. Il a dit qu'il y aurait de l'angoisse chez les nations. Alisa kutakuwa boka katikati ya mataifa. Des gémissements de mer. Kutakuwa kuugua kwa mabahari. Des rats de marée dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Kutakuwa mabimbi la tuashikia kama nisemezea hapo. Éclatant dans des mers. Na itakuwa kuingia mabahari. Oh, dans toutes ces choses. Oh, mwibi bintu byote. Des signes s'accompliront. Malama itatimizikaka. Juste ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même. Paka ile pikaka mwakati ya Noé itafika vile vile. C'est merveilleux. Ni ya maajabu. Mais souvenez-vous. Lakini kumbukeni. La dernière plaie qui tomba. Pigo ya mwisho ilianguka. C'est la mort. Ilikuwa kifo. Et la dernière chose. Na kitu cha mwisho. Dieu a donné avertissement après avertissement. Mungu alileta kalamusho kisha ingine. Avertissement après avertissement. Kalamusho kisha kalamusho ingine. Maintenant la dernière chose qui vient. Sasa kitu cha mwisho itafika. C'est la mort. Ni lufu. La mort spirituelle. Lufu la kiroho. Les églises meurent spirituellement. Makanisa kuna kufa kiroho. Ils sont morts. Unezukubambia. Tu peux les surtout dire. Surtout moi qui vous vois. Je suis seul dans.
Surtout moi que vous voyez comme moi dans notre famille, c'est moi seul. C'est moi qui fais tout dans les néos, les autres. Ils s'occupent de leurs histoires. Je ne fais que prier pour eux. Vous aussi priez pour eux. C'est compliqué. Il n'y a plus encore du temps. Bientôt Christ va venir. Ça, ça dit, Christ va il vient prendre l'épouse. Cette épouse sera sans tâche. C'est pourquoi ici, ma sœur, deux ans. Tu ne peux pas faire deux ans. Trois ans. Pourquoi pas qu'on a voir le bintu bibaye. Tu continues à t'habiller mal. En étant ici. Tu continues à te maquiller. La part de Dieu frappe. Ça frappe. Avertissement. Toi, tu n'écoutes pas. Un jour viendra. Les Égyptiens. Les Égyptiens. Ils étaient noyés. Ils étaient submergés. Puisque comme Dieu, il avait son peuple. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse saisir d'eux. Imaginez-vous. Les Israélites. Ils étaient là en train de marcher à pied. En train de marcher. L'armée de Pharaon en train de les poursuivre. Ils ne pouvaient pas arriver là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Dieu. Tu vas le croire qu'à Mungu. Amen. Amen. Notre Dieu, nous devons le craindre. Mungu est tout avec tremblement et crainte. Na Congo, pas nakutetemeka. Sortez dans des fausses doctrines. Tokele onfurisha musingi ya bongo. Amen. Amen. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des choses. Il nous avertit. Il nous montre que là, ce n'est pas la véritable parole. Comment iras-tu dans telles choses? Les autres Dieu que vous voyez ici. Ce sont eux qui vont aller répondre pour nous. Manaf, si un pasteur ou un Dieu qu'on a eu. Vos âmes, c'est votre pasteur. Il a même l'âme de son associé. Ce sont des gens à respecter, à honorer. La personne qui ira comparaître à il faut avoir de l'estime avec le respect pour votre il pasteur. N'importe quoi, frère Branham va loin. Il dit, Anasema, le pasteur, Mutungaji, c'est l'ange de l'église locale. Ça, c'est où le monde a voulu autant que Jésus. Un homme comme ça, comment te joues-tu de lui? Amen. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Mungabi bariki. Nous tenons debout pour un moment de prière. La fausse doctrine, ce sont des faux docteurs aussi qui introduisent des fausses doctrines. Nous allons chanter avec la chorale et nous allons prier. Ya kasih mau kasih.
Seigneur,